Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire économiser de l'argent sans vous fatiguer, puisque je vais tout faire à votre place. Rien de magique, je vais me servir des textes de loi qui existent. Ça concerne les gens parmi vous qui ont un crédit immobilier. On va parler d'assurance emprunteur. Ce que je vais vous dire, vous allez voir que la démarche est très très simple pour vous. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est moi qui vais tout faire. Si vous avez des gens dans votre entourage qui sont concernés, diffusez la vidéo, ils sont aussi concernés. L'effort que vous avez à faire, vous allez voir, je vous en parler après, c'est vraiment minime. On va commencer d'abord par le principe. Si vous avez un crédit immobilier, il y a deux possibilités. Soit vous venez de le souscrire il n'y a pas longtemps et votre crédit a moins d'un an. Dans ces cas-là, moi je vais utiliser ce qu'on appelle la loi Hamon, qui date quand même de 2014, hein, c'est pas nouveau. La loi Hamon, elle vous permet quoi? Un changement d'assurance immédiat quand votre crédit a moins d'un an. Le préavis, c'est 15 jours, donc c'est très très simple. Et on s'occupe de tout, effectivement, on va tout prendre en charge, y compris le courrier recommandé, respecter les délais, voilà. Donc c'est très très simple, votre crédit à moins d'un an, dépêchez-vous, vous me scannez votre offre de prêt signée, vous me l'adressez par mail, et derrière je vais m'occuper de tout, vous avez un préavis de 15 jours, et le tour est joué, vous faites des économies, surtout en plus là, si vous êtes au début de votre crédit, les économies sont quand même assez substantielles, donc n'hésitez pas, ne traînez pas, faites-le maintenant. Deuxième cas de figure, votre crédit à plus d'un an. Là, ça va marcher aussi avec un peu plus de contraintes. C'est la loi Bourquin de 2017 qu'on appelle aussi la loi Sapin 2. Le changement, il se fait cette fois-ci à la date anniversaire avec un préavis de 2 mois, comme c'est le cas la plupart du temps en assurance ou mutuelle. On s'occupe encore de tout, mais faites-le maintenant puisque je vais constituer le dossier. On va s'occuper de l'envoi de la lettre recommandée au moment où il faut. Et voilà, n'attendez pas en vous disant « c'est pas encore la date anniversaire ». Vous me scannez votre offre de prêt. Vous me l'adressez par mail et on va s'occuper de tout. Vous inquiétez pas, on le fera aux bonnes dates. Voilà, c'est très simple. Donc vous avez, pour résumer, vous avez plusieurs milliers d'euros à gagner sans vous fatiguer parce qu'effectivement, on va tout faire à votre place. On va trouver l'assurance qui remplacera celle que vous a proposée votre banque et moins chère. On est capable de vous faire entre 1 et 3 devis différents avec les mêmes garanties, bien évidemment, parce que c'est ce que va demander votre banque. On va faire tout le boulot. La seule chose que vous ayez à faire, c'est soit récupérer l'offre de prêt, parce que vous l'avez peut-être déjà, cette offre de prêt scannée, soit la scanner, il me faut l'offre de prêt définitive, donc celle que vous avez signée et renvoyée à votre banque. Pensez à diffuser l'info à votre entourage, parce que c'est vraiment pas fatigant, et ça vous permet, c'est pas une légende, l'assurance emprunteur, vous serez couvert dans les mêmes conditions, mais vous ferez une sacrée économie et je pense qu'effectivement, vos amis, si vous leur diffusez l'info, ils vont vous en remercier. Voilà, encore une fois, j'espère que je vous ai intéressé. N'oubliez pas, encore une fois, j'insiste, faites-le maintenant parce qu'on a toujours tendance à repousser au lendemain. C'est assez simple. Le résultat, il marche quasiment à tous les coups. Et puis, voilà, j'espère encore une fois que je vous ai intéressé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.